Madame, monsieur, bonjour. En tête de dit bien bonjour. Il paraît que le créole serait la langue du jour, la langue du mois. Mais je suis étonné du thème choisi par notre référente absolue, nous habituée au mystère et la culture. Et aujourd'hui, elle me dit, nous allons parler du créole en milieu scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous avons abdiqué? Est-ce qu'on a fui? Est-ce qu'on a pris peur? Mais la personne en question, madame Marielle Jacobi-Coali, je la connais bien, elle n'est pas personne à fuir ni à faire derrière. Si elle a choisi ça, elle a certainement une bonne raison. Alors, on va aller tout doucement expliquer la thématique et puis voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en lien avec cela par rapport à ça, ces thèmes traditionnels qui sont la culture cachée, nos habitudes, notre citoyenneté un peu ambiguë et le fait que nous continuons à rentrer cachés à conque parfum. Ah, on me dit de moins en moins, grâce à elle. Alors, je vous salue, madame. Vous êtes en rose aujourd'hui. Alors là, vous me surprenez chaque fois par rapport. C'est pas politique quand même, non? Non. Voilà. À moins que vous ayez un salut particulier à dire à des gens, vu votre l'éclat de votre vêture. Non, aujourd'hui, non. Non, je dis bonjour à tout le monde, bien sûr. Oui. Tous les téléspectateurs de Canal 10, de Guadeloupe et d'ailleurs. D'accord. Et voilà, donc... Mais qu'est-ce qui se passe, madame Jacobi-Coali, le créole en milieu scolaire, en mi-temps émission, nous, nous fait bel démarrer, nous fait l'encens, hein, nous fait de l'eau, hein, et puis subitement, hein, vous êtes déconnecté du temps, du pays, que rassurez-nous un peu. Alors là, pas du tout. Oui. Bien sûr, en milieu scolaire, vous savez, je suis retraitée de l'éducation nationale. J'ai occupé différents postes dans le milieu de l'éducation. Et donc, par rapport au bain démarrer, à tout ce que nous avons eu à parler déjà, par rapport au magico-religieux, donc des situations de réalité de vie dans le milieu scolaire, et souvent sous-estimées, dont on ne parle pas. Donc, j'ai eu à vivre la plupart de ces thèmes. Et s'agissant du créole, déjà, comme vous l'avez dit, on parle du mois du créole, donc accordons-lui sa place, bien méritée, en milieu scolaire, parce que, jeune enseignante, j'ai eu à vivre la place de la langue créole dans un cadre de cadre de ce que j'appelle la culture cachée. Ah. Donc, en fait, c'est un rapport, finalement. Je vous écoute pour savoir quel est le lien. Vous allez progressivement nous parler de ça, sans doute. Hein. Oui. Donc, il faut savoir, et peut-être que vous avez eu à le vivre ou à en entendre parler autour de vous. C'est vrai que c'est une langue qui se parlait partout dans la société, mais il faut savoir qu'elle était pointée du doigt comme étant la langue du sauvage, comme étant la langue de l'illettré. Celui qui n'a pas la connaissance, celui, on avait honte de parler créole, on se cachait pour parler créole, et on avait même peur quelquefois de parler créole. Et on avait peur de parler créole, ça se passait particulièrement dans la cour de récréation. Alors moi, je n'ai pas eu ce souci, mais je l'ai partagé avec quelques camarades de classe de l'époque, et parce que moi, je parlais que français, on parlait français chez moi, et je n'ai... Si les amis n'avaient pas échangé avec moi, je n'aurais pas su comment quelquefois ça leur était difficile de s'exprimer en français, ça c'est une chose, mais aussi et les camarades choisissaient avec qui parler créole. Et quand on sait que le milieu scolaire c'est avant tout un lieu de formation de la question identitaire, donc on peut supposer toutes les souffrances qu'il y a eu derrière cela, et c'est pourquoi je l'inscris aussi dans
la culture cachée. Tout à fait, je comprends bien. Bon, ceux qui ont lu de manière générale sur le langage savent que dans l'ADN du langage en général, ou de la langue, pour ne pas tout mélanger, certains disent que quand on parle, c'est pour masquer sa pensée souvent. Il ne faut pas croire que lorsqu'un gars parle, il est là pour dire tout. Et souvent, il utilise sa langue pour masquer sa pensée. Alors, dans le contexte dont vous parlez, c'est encore pire. Puisqu'il y a des contraintes telles qui font que la langue même, la parler est un problème déjà. Oui, la parler est un problème. Et puis, il faut reconnaître aussi pendant très longtemps, je pense que jusque dans les années 70-80, on s'exprimait souvent en créole. Même ceux qui parlaient couramment français, ils s'exprimaient en créole dans un cadre colérique, oui. Quand ils étaient fâchés, d'accord ? Quand il fallait réprimander, d'accord ? Et donc, tout cela contribuait à lui accorder une connotation négative, négative, méchante, mesquine, et c'est un fonctionnement qui n'était pas obligatoirement saisissable. Saisissable. Donc il a fallu réfléchir là-dessus, il a fallu se questionner, il a fallu travailler là-dessus et se rendre compte que la langue créole pourrait avoir aussi sa place comme toute autre langue dans le milieu scolaire. Oui. Et c'est ainsi que d'ailleurs nous avons eu l'introduction à force de combat, bien sûr, ça n'a pas été facile, l'introduction de la langue créole en milieu scolaire. Et grâce au recteur Juminer à l'époque, il y a eu tout un travail qui a été fait et pour aboutir jusqu'à la langue créole au niveau de l'option du baccalauréat. D'accord. Bon, donc ça veut dire que c'est un problème, mais il y a divers progrès. Mais avant d'en arriver là, s'il fallait dire d'où vient, est-ce que cette langue a une origine, est-ce que pour être un problème comme celui-là, elle n'est pas tombée du ciel, parce que si elle est tombée du ciel, elle serait la bienvenue. Dieu aurait fait en sorte que, comme les langues de la tour de Babel étaient bien pratiques pour diviser les hommes et qu'ils se réunissent par groupement, le créole aurait le droit de citer. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de soucis en lien avec cette langue-là? Est-ce que son origine peut expliquer cela? Alors, il faut savoir qu'il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, de nombreuses recherches qui ont été menées et qui ont fait que on a pu aboutir tant bien que mal, grâce à beaucoup de syndicats quand même, notamment le SPEG qui s'en est beaucoup défendu. Si Monsieur Beauchamp. Beauchamp. Ah, voilà, je suis son nom. Oui, tout à fait, Vraiment, et donc, il y a eu un travail très approfondi aussi au niveau des syndicats. Et donc, mais en termes de recherche, vraiment, on pourrait citer le docteur Bentolino, qui est docteur en sciences de l'éducation et qui a fait une recherche approfondie et qui est dans sa thèse. Il démontre que justement la syntaxe de toutes les langues créoles, parce que vous savez, on ne parle pas de la même manière créole en Guadeloupe ou en Haïti ou même en Martinique, tout près de chez nous. Ou même en Marie-Galante. Et même entre Grande Terre et donc, il dit qu'il explique, il démontre que la syntaxe est elle est commune par quel que soit le créole qui est utilisé dans la Caraïbe. Mais vous savez, le tronc commun, c'est bien sûr le rapport à l'esclavage, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui explique effectivement que l'origine commune, l'origine de base, elle nous vient d'Afrique. Il y a aussi, c'est le linguiste Mboli, c'est un linguiste, lui il a fait un travail il a fait un travail beaucoup plus approfondi parce que lui il parle de la sémantaxe. Et il explique que nous avons beaucoup, lui aussi, il retrouve beaucoup de points communs, et il dit, quand bien même on utiliserait certains mots qui viennent du français, mais ce sont des mots en emprunt.
mais qui ne tiennent pas de cette origine. D'accord. Et cette origine renvoie à l'Égypte ancienne. Donc on revient en Afrique, et je pense que l'explication est donnée par l'histoire. Et c'est pourquoi on dit qu'il est difficile de parler de mystère sans parler de culture, sans parler d'histoire. Et donc on ne peut pas toujours tout approfondir, mais nous savons très bien que souvent les travaux de recherche démontrent ou expliquent ce qui pendant très longtemps a été inexplicable. D'accord. Et donc qui touche du doigt le mystère. Très bien. Donc ça veut dire que le Guadeloupéen qu'on voit dans la rue, il marche avec un schéma, des schémas de syntaxe peut-être millénaire, et il se bat avec ça, il cherche du vocabulaire, il cherche pour animer cette structure qu'il a en lui, c'est ça. Il y a ça, et un exemple qui me vient à l'esprit, c'est le mot « vieux ». Oui. Nos vieux en Afrique, ils vont pas vous parler, ils vont vous parler du vieux temps, alors que nous parlons du mauvais temps. Donc vous voyez un mot français emprunté, d'accord, mauvais, hein, mais en fin de compte, on définit la même situation, c'est-à-dire le temps qui n'est pas beau. Oui, d'accord. D'accord. Donc quand on va chercher dans des exemples, on trouve celui-là. Mm-hmm. Et ce qui explique aussi cette représentation négative qui a eu pendant très longtemps de la langue créole, parce que l'un des objectifs était que ces mots disparaissent, ces mots millénaires même, comme vous dites, mais c'était comme affronter un dinosaure. Un seul homme qui affronterait un dinosaure, je dirais. D'accord. Donc vous me dites que il y a, semble-t-il, une volonté historique de faire table rase de tout ce qui est l'authenticité de ces hommes et leur schéma de pensée, hein, et que peut-être eux-mêmes, finalement, deviennent les associés du projet de disparition de leur propre langue. C'est ce que Bourdieu appelle la violence symbolique. La violence symbolique, on pourrait, et dans laquelle la culture cachée trouve sa place. On est d'accord. Et donc je pense que la quand le travail, quand on vraiment on lit tout ce qui est écrit sous la sémantaxe elle-même, on se rend bien compte que même si on est passé par le latin, le français, bon, l'origine même de la langue créole, notre langue créole, elle est bel et bien assise. Tout à fait. Bon, on verra peut-être en fin d'émission, si nous avons le temps, un nouvel objectif qui consisterait peut-être à lui faire de l'ombre. Oui. Mais enfin, pour le moment, ce qu'on pourrait expliquer, c'est que cette langue a toute sa place. Elle est encore dans le milieu scolaire, notamment au niveau du baccalauréat. Et donc, tout va bien. Je ne dirais pas quand tout va bien, mais je dirais qu'en tout cas... Il y a Capes en créole, il y a Tout en créole. Je fais un petit clin d'œil. Il n'y a que Lido Mota qui parle français uniquement, tout le monde parle créole actuellement. Alors il vous répondra lui-même. Je lui laisse le soin de vous répondre. Je peux parler d'Élie, c'est mon frère. Je suppose, c'est pourquoi moi je ne m'immisce pas. Oui, vous avez raison. Non, parce que j'ai vu Élie dans le débat sur Chlordécone, où il a parlé pendant 15 minutes en français. Français parfait, comme quelqu'un qui a deux masters. Donc, pour rire un peu, hein, donc pour revenir de manière sérieuse, c'est vrai qu'apparemment, on pourrait penser que tout est OK, puisque le créole est devenu une institution. C'est institutionnel désormais, le créole, donc il n'y a plus de problème. Il serait bien, avant d'arriver à un problème qui nous fait de l'ombre là, ces temps-ci, il serait bien de voir quelle est la problématique qui a été instaurée par rapport à la langue créole, au niveau notamment des familles, la société elle-même. Et donc je dirais que pendant très longtemps, il y a beaucoup de familles qui ont empêché à leur enfant de parler créole. Ceux qui parlaient français, mais moi jamais dit ne parle pas créole, donc on parlait français tout naturellement, mais je sais qu'il y a des familles dans lesquelles on parlait français et on interdisait aux enfants de parler le créole. Ça c'est une chose.
Et il me vient à l'exemple celui de Hallyday, pardon, un exemple que mon ami Alain Dorville, à qui je fais un salut s'il nous écoute, citait souvent quand il donnait des exemples de situations vécues en tant que psychopédagogue. Et il disait qu'il avait rencontré une fois une grand-mère, et vous parlez d'un enfant dont on disait qu'il était inhibé, il parlait pas, il participait pas, et il avait eu la réponse de par la grand-mère qui disait mais oui, mais en pas qu'à parler bien, parce que si en parler bien, il peut comprendre français, il en voulait pas comme moi, quoi, en voulait qu'à parler français, en voulait qu'à comprendre, en voulait apprendre l'école, en voulait réussir l'école. Et il avait dû lui expliquer qu'elle pouvait lui parler en créole sans problème, et que ça n'allait pas empêcher cet enfant de progresser. C'est comme si on lui parlait espagnol ou anglais, et puis il parle son créole. Donc il y a eu beaucoup d'exemples de ce genre, notamment au niveau des familles. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le sens social de ça? Alors, le sens, mais j'aimerais quand même parler de la famille, qui a les répercussions sur le sens social. Je prends l'exemple, on a eu à dire dernièrement qu'il y a des grands-mères qui souvent s'asseyaient, par rapport à mon livre, je citais des exemples, qui s'asseyaient sur le bord du lit pour faire leur prière, pour demander la grâce pour que les enfants apprennent bien à l'école. Mais il faut savoir que pendant très longtemps, les grand-mères faisaient la prière avec leur cœur, parce qu'elles ne savaient pas lire, même si elles avaient des prières sur un papier. Elles faisaient la prière avec leur cœur, donc la prière était faite en créole. Et donc ce créole a été remplacé par la suite, une fois qu'on a commencé à écrire des prières, et que les enfants qui sont allés à l'école, les petits-enfants aussi, ont appris à lire, et donc on ne faisait plus la prière du cœur, ça c'est intéressant, qui se faisait en créole, mais le petit-enfant lit la prière. D'accord. Donc, vous voyez l'évolution des choses. Et sans se rendre compte, on laisse de côté une langue qui nous permet de parler avec notre cœur, et donc peut-être d'être mieux entendu, pour pouvoir la faire dans une langue qui est pratiquement imposée. Moi, j'imagine de chez Dieu la déperdition. C'est-à-dire que si il faut prier Dieu, faire monter des louanges, faire monter du cœur, comme vous dites, s'il y a le fil de la langue désormais, Alors, mais une question quand même, une provocation. Pour quelles raisons ceux qui sont dans l'ésotérisme, ceux qui impriment des prières, ne se rendent-ils pas compte qu'il faudrait bien que ce soit écrit en crayon ces prières-là? Alors, ce serait une bonne nouvelle pour chez Dieu. De nos jours, on trouve des prières en créole. En créole, d'accord. Oui, on en trouve à Conques-Parfeu. Il y a des prières en créole. Des créoles, il y en a pas beaucoup. Est-ce que le Notre Père, qui est la prière de base des catholiques, j'ai pas cette chance-là, mais comme vous nous avez dit que vous en êtes, est-ce que le Notre Père, un bon Notre Père en créole, peut trouver à Conques-Parfeu? Alors, je ne sais pas si on va trouver le Notre Père en créole à Conques-Parfeu, mais je sais que le Notre Père en créole existe. Et d'ailleurs, j'ai eu assisté à la messe en latin quand j'étais petite. D'accord. Et après, j'ai assisté à la messe en français. Et maintenant, quelquefois, j'entends des passages en créole. J'entends aussi des chansons en créole. Donc, je disais tout à l'heure, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport au fait de société, donc nous y sommes. D'accord. On trouve cette langue créole un peu partout. Mais qu'est-ce qu'on en fait en termes de représentation? Alors, en termes de représentation, je disais que s'il y a eu cette évolution, on pourrait penser que la langue créole est bien assise, elle a tout à fait sa place, elle est bien vue, elle ne s'inscrit plus dans la culture cachée, il n'y a plus de honte, plus de mal-être, plus de malaise à en parler. Mais il faut savoir que la langue créole, quand elle a été introduite à l'école, elle a engendré des souffrances, voire peut-être pas des souffrances, mais des malaises par rapport à certains enseignants qui eux-mêmes ont été élevés en parler créole, mais ils sont bien conscients, ça ne les a pas empêchés de réussir, d'être enseignants, et donc il fallait à un moment donné interdire de parler le créole. Ça, c'est une chose. Après, on demande qu'il faut l'introduire. Donc, pour l'enseignant, c'est une sorte de bigidi, pour reprendre le terme de Léna Blou, et donc c'était pas si évident. Et qu'est-ce qui a fait que la langue créole a vraiment retrouvé son assise, je disais, c'est quand on lui a donné sa place par rapport en option ou par rapport au baccalauréat. Oui, d'accord, très bien. On est d'accord. Et donc
là, les parents aussi ont un rôle à jouer. Mmh. Ils ont un rôle à jouer par rapport au fait que, de nos jours, il est question que le créole, on sait avec le nouveau ministre, garde toujours sa place dans le milieu scolaire, oui. D'accord ? Mais en termes de coefficient, hein, mmh. y a une problématique, il y a une question, j'ai envie de dire qu'on pourrait parler de recul, parce que l'option créole a toujours sa place au niveau du baccalauréat, mais avec un coefficient 2, qui est un coefficient moindre par rapport aux autres langues. Donc, subtilement, le créole est quelque part ébranlé. On ne l'enlève pas totalement parce que ce serait trop visible, répliquer rapidement et peut-être massivement, mais fait de cette manière. Mais qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer le fait que dans certains parents, dans certaines familles, et si des parents avertis, ils diront, écoute, bon, le coefficient est moins, donc même si tu voudrais opter pour ça, même si tu es bien créole, même si tu prends des cours privés pour le créole, il vaut mieux ne pas y toucher, ne pas le choisir. Et on sait très bien comment le baccalauréat est bien sûr un tournant de l'avenir des jeunes. Et donc quand on fait de l'ombre, c'est une façon de lui faire de l'ombre, et donc il faut qu'on fasse très attention, il faut veiller au grain. Tout à fait, d'autant que comme vous dites, c'est en lien avec notre identité, et on ne peut pas imaginer un instant que tous ceux qui professent le champ de l'homme et de l'humanité puissent négliger la force du créole et le fait que, comme vous dites, il soit en lien avec la culture cachée. Avec la culture cachée, et de même, il y a eu des enseignants à l'époque du certificat d'études. Hein. Oui. À l'époque, il y avait un certificat d'études, c'est au bac. Et c'est vrai, il y a beaucoup de personnes du certificat d'études qui écrivent sans faute. Hein. Ça, j'ai eu beaucoup d'exemples. Et qui disaient qu'à l'époque, j'étais qu'à faire pèlerinage, j'étais qu'à acheter bougies pour faire pèlerinage, puis j'étais qu'à y prier Dieu pour les élèves ailleurs. En créole? Ils sont pas dans le milieu scolaire. Tu vois qu'il y avait cela, mais il y avait aussi un retour, une sorte d'image de l'enseignant, parce que c'était à quel enseignant avait le plus de succès au niveau du certificat d'études. D'accord. Donc vous voyez, la culture cachée, elle a toujours eu sa place dans son rapport avec le milieu scolaire. C'est parfait, c'est bien dit. Alors, nous arrivons vers la fin. Oui. Ouais. Si vous aviez... Allez, on va essayer de ramasser un peu cette affaire-là, hein, comme on peut le faire. Allez, c'est une petite minute, là. Alors, pour ce serait deux, quoi? Oui. Ben, ce qu'il y a, c'est par rapport à toutes nos émissions. Oui. Hein, nous sommes là pour encourager tous ceux qui nous écoutent et qui veulent aussi transmettre, que nous n'avons pas nous sous-estimer, hein, parce que la question identitaire, elle a sa place dans tous les thèmes que nous avons traités jusqu'à présent. Et dans ce mois d'octobre, qui est aussi c'était le mois de la rentrée qui se termine la semaine prochaine, le 19, nous allons passer à un autre stade, ce sera le stade de la Toussaint, on verra. D'accord. Et donc, ne pas avoir à se cacher, et puis par rapport à cette proposition qui est faite de l'option du coefficient moindre, coefficient 2, pour le créole à l'option du bac, il faut être très vigilant là-dessus, parce qu'on ne devrait pas se retrouver dans une situation où on a honte de parler créole, où on ne parle pas créole, où on va plus prendre des cours de créole parce que ça n'a plus d'intérêt. Parfait. Donc il faut être capable de faire la part des choses entre nos attitudes, nos comportements, le caché ou le pas caché, et aussi le savoir. Hein, quand on a la connaissance, on est capable de poser des questions, de se poser des questions, de faire des recherches, d'échanger, et surtout de ne plus avoir à se cacher et à se soumettre, j'ai envie de dire, bêtement. Parfait. Hein, il faut bien faire remarquer qu'on a relevé la subtilité. Docteur, je vous remercie. Je vais oser quelque chose. Je souhaite que Ton Parfum édite Notre Père en créole. Et car j'ai trouvé dans Notre Père une fin merveilleuse qui sera sans doute notre fin, où on dit: bon Dieu, pas laissez-nous prier à dents pompièges, ôtez-nous en bas tout ça qui est mauvais.
Tout à fait, c'est oui, dit. Oui. Et donc, nous aurons à nous retrouver, peut-être qu'on va parler de notre père, parce qu'on va se retrouver dans un contexte plus religieux, spirituel, puisqu'on sera en pleine période de préparation de la Toussaint. Voilà. Donc vous serez donc visiblement en lien avec ce qui est caché. C'est tout à fait. Merci beaucoup. Mesdames, merci de nous avoir suivis. Docteur, vraiment, merci beaucoup de cet effort didactique et pédagogique. Que le débat continue chez vous. Bonne journée.